Salut à tous, c'est Gorskull et bienvenue pour la suite les amis de The Infected. Regardez cette date, octobre, automne, l'hiver approche les amis. Donc là on va se préparer, on n'a pas beaucoup de temps je te dirais pour faire tout ça, mais on va faire ça intelligemment et on va pas se faire avoir comme l'hiver dernier. Le pack croco les amis, le bag croco. Regardez-moi cette place de cinglé. On était à 55 pods, hein. Rappelle-toi Maxi. Là, on passe à 75 en termes de place. On peut transporter des gros trucs. Donc, moi, je te dirais, quand tu commences l'aventure, tu vas vite au croco direct dans les premiers jours et tu vas vite un truc d'aluminium pour te faire la flasque large. Ça, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'on a changé? Oui, quelques trucs. On a enfin pu terminer l'extracteur d'huile les amis, mais quand je l'ai fini, je me dis, ben, tiens, il marche pas. Ben ouais, mais le problème qu'il y a, les amis, il est là, énergie requise 100. Eh oui, il faut de l'énergie. Donc j'ai dû faire un petit panneau électrique. Hein. Ah, tu me dis, ouais, mais petit panneau électrique. Alors, j'ai crafté une batterie, on va aller voir en haut. J'ai crafté un panneau solaire, ça m'a arraché toutes mes pièces électriques qui traînent. Je peux en crafter parce que j'ai enfin trouvé tous les plans du jeu, ça y est. Je suis venu enfin avec tous les plans du jeu. Là, on voit l'énergie stockée à l'intérieur de la batterie. Alors, c'est... J'ai toujours pas fait d'arc en plus, c'est vrai, ouais, faut que j'en fasse. Et je suis là, abruti. Oui, oui, tu peux taper sur cela, je les ai remis à 9. Je fasse gaffe, je suis qu'à 12 de santé. Si je prends un coup, je suis mort. Il y a une certaine distance à respecter. Voilà, faut vraiment que je... Tant pis, il tape un peu dessus. C'est pas grave, merci. J'ose pas trop, putain. Ah, j'ai plus de machin non plus. N'importe quoi, le truc. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Ah bah si, j'ai une lance qui traîne les amis, impeccable. Hop. Arrête de péter ma porte là. Viens par ici mon petit. Oh! Bon bah ça marche, ça passe à travers, parfait. De temps en temps il y a un petit bug. Laisse ça tranquille. Donc du coup, oui, je reprécisais. Tu peux avoir de l'énergie en direct, donc... Étant donné que le panneau solaire te donne 40 d'énergie directe, elle t'en redistribue 40, quand le soleil est là bien sûr, parce que c'est vraiment réaliste. J'ai de la batterie qui elle a un petit panneau solaire sur elle aussi, donc ça stocke aussi de l'énergie. Étant donné qu'il faut 100 pour faire tourner l'extracteur d'huile, pour avoir des cannes d'huile qu'on a besoin pour les medikits, pour la scie circulaire. Ah les gars, t'es pas prêt, vous êtes pas prêt. Et on est passé à côté de quelque chose. Le frigo, pour stocker la bouffe là cet hiver, c'est trop tard. Tu le vois pas, mais 25 lingots de fer et 10 pièces électriques. 10 pièces électriques. Impossible. Donc, panneau solaire, batterie. On les retrouve ici, les amis. Hein. On fera un petit guide, un petit truc plus tard. C'était juste pour vous montrer. Donc, voilà. Juste la batterie solaire avec le panneau solaire. C'est parfait. Ça génère, ça stocke. Il n'y a pas de souci. Effectivement, la petite cuisinière, la fin, le petit chauffe au charbon, ça sert juste à réchauffer la pièce hein, pendant l'hiver, rien d'autre. On a enfin, les amis, débloqué ben justement le fourneau en métal, 25 lingots de fer. Et, oh, les amis, alors ça, crafter ça aussi le plus rapidement possible. Mais quand je vous dis le plus rapidement possible, c'est une recette que vous ne devez pas chercher, c'est pas une technique. Il faut 50 briques sèches, franchement, c'est vite fait. Et 10 lingots de fer. Sérieux. Et vous remettez les deux autres que si vous en avez fait deux. C'est un truc de ouf. Regarde-moi tous ces pierres que tu peux mettre d'un coup. Et du coup, moi, j'utilise ça en fait. Pour faire mes lingots. Et je fais fondre mes pierres là-dessus. Effectivement, on va pas te rappeler que l'extracteur qu'on a mis en dehors, là-bas, de la zone, nous donne plus de copper, nous donne des plaques de minerai de fer. Mais encore une fois les amis, énormément besoin de pièces électriques. Mais quand je te dis énormément besoin, c'est je pèse mes mots. C'est un lingot de cuivre, un plastique et un lingot de cobalt. Évidemment, on a déplacé l'extracteur que sur l'aluminium. Il faut que j'en crafte encore un troisième que je dois déplacer là-bas. Rappelle-toi, c'est costaud, c'est 10 lingots de fer aussi. Donc
Il faut que j'aille le déplacer sur une zone de cobalt. Il faut que j'aille récolter tout ça. Donc, et puis c'est un plastique aussi. On va pas te rappeler, mais on te fait le rappel quand même. C'est 3 cannes d'huile. D'où l'utilité de l'extracteur à côté. 3 cannes d'huile. 5 minutes pour 1. Bon, 5 copeaux d'écorce, à la limite, on s'en fout. Donc, autant te dire que tous les 15 minutes, tu as les 3 cannes d'huile pour faire un seul plastique. Un lingot de cobalt qui prend au moins 5 minutes. Et encore, c'est pas sûr. Des fois, tu as du charbon ou une simple pierre. Pour faire une pièce électrique, le frigo, il en faut 10. Donc, autant te dire que ça commence à être assez compliqué. On va aussi se prévoir, les amis, quelque chose que vous devez savoir. Ça vous évite de les jeter. Et de... Alors attends, avant de continuer, on va se faire à l'arc, hein, bien sûr. Un bâton 3 cornes. J'ai enfin pu faire des flèches en os. Effectivement, il fallait des éclats d'os. Mais pour faire des éclats d'os, qu'est-ce qu'il fallait? Des os. Mais il fallait l'établi amélioré pour les casser et faire justement les éclats d'os pour faire des flèches en os, voire même une lance en os. Qui est beaucoup plus solide, résistante. En termes de dégâts, je ne pense pas que ça fasse plus. Là, les flèches en os, je les ai utilisées plusieurs fois. Donc, c'est Tony T666 qui nous... Non, pas Tony. Tony, lui, c'est les renards. C'est notre ami... Ah, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Bah, dans les commentaires de l'autre vidéo, qui nous disait exactement que il fallait que je fasse des flèches en os, des trucs en os pour éviter que ça soit cassable. Et effectivement, il avait raison. J'ai utilisé plusieurs fois les 3 flèches en os que j'ai craftées. Depuis que j'ai eu l'établi amélioré, et je peux les récupérer à chaque fois, tandis que les flèches normales, les flèches de pierre, elles sont cassables. Donc un éclat d'os, 3 bâtons, 5 fibres. Bon, ça on fera plus tard. Donc voilà, je les ai la flèche en os, hein. 0% de chance que la flèche se brise, c'est marqué en plus. Putain, mais les gars, ah oui, et attends, et encore, mais oui, Gorskull l'aveugle, encore une fois les amis, ben, là on l'a en plus, c'est marqué. T'as une chance sur deux que la flèche se brise. On regardait ensemble, rappelle-toi, l'épisode précédent, évidemment, encore une fois. Salade de fruits fabriquée sur la table de cuisine. J'avais fabriqué une petite table. Et on essayait de le faire, rappelle-toi. Sauf que... La table de cuisine, elle était juste là. Et tu peux réellement l'utiliser sans faire la cuisinière. Donc je pouvais déjà faire... Ce qu'on avait pu voir et que je m'étais dit, ah ben non, je peux pas le faire. Donc, les salades végétariennes, super pour la vitamine. Ça, il nous en faut un paquet. Donc, maïs, patate. Et à chaque fois, je me fais... J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, les amis. concombre, maïs, patate. Hein. Ça, on va faire en masse. Maïs, graines de concombre, j'en ai pas assez. Et patates, on va mettre ça là. Les pastèques, on en a assez. Ça, il faut qu'on fasse absolument. Mais non, j'ai plus de place tellement j'ai... Attends, je vais en faire. J'aurais dû. Attends, je vais le chercher là. Donc, concombre, on en a quand même déjà là. Maïs, hein, surtout les amis, maïs. Faut qu'on se dépêche parce que... Ça va être très important pour nous. Pour moi surtout. Parce que là, je n'aurai pas le temps de faire la cuisinière. Alors du coup, attends, laisse-moi regarder 5 secondes. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Il pleut, c'est très bien. Ça va arroser nos stocks. Ça, on déplace là en bas. On va pouvoir récolter encore une ou deux choses. Voilà, patate. Donc maïs, on va remettre un. Donc voilà comment on se prépare tout doucement à l'hiver. Un peu plus. On va aller chercher, les amis. N'oubliez pas du poiscaille, hein, du poiscaille en masse, parce que ça, il faut qu'on garde. On va mettre les viandes à sécher. Ça se conservera plus longtemps aussi. Protéines, on en aura beaucoup besoin. Donc si je... Voilà, le dernier concombre. Tu vois qu'ils viennent quand même à une vitesse un peu plus régulière. Il est où? Ne cassez pas ma maison, monsieur. Voilà, donc flèche toujours récoltable. Donc voilà, c'était pas un souci de despawn ou de bug ou n'importe. Il y a vraiment une, on va pas dire une chance, une malchance sur deux pour que ça casse. Des pierres à chercher.
C'est génial. Tu remplis les racks, hein, c'est justement 2 x 5, 10 là. Et ça te fait le stock nickel. Donc là, évidemment, 25 lingots de fer. On va essayer de faire ça avant le début de l'hiver. Mais ça passe tellement vite, les amis. Vous imaginez pas à quel point ça passe super vite. Graines de patates, là, on a encore des concombres à récolter. Le frigo, beaucoup trop lourd en termes de. En termes de comment dire, de ressources, hein, plus énergie demandée. Et là, les amis, j'ai enfin canne d'huile, hein. Ah, j'en ai eu deux là. Ça, c'est plutôt cool. Et on va voir l'énergie. Tu vois, je suis retombé à 45 d'énergie stockée et seulement 20 énergie produite par le panneau solaire parce que, bah, effectivement, bah, le soleil n'est plus là. Non, alors, je vais le couper. J'ai deux cannes d'huile là. Je vais les laisser dedans en stock. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc, du coup, les amis, on a enfin cette scie circulaire. Alors, comment te dire? En termes de changement de vie et de confort, c'est un truc de ouf. Mais comme tu as pu le constater, il faut que ça t'emmène à crafter l'extracteur d'huile. Il faut que ça t'emmène à faire de l'énergie. Donc, effectivement, la scie circulaire, c'est pas tout de suite. Mais regarde-moi ça, mon ami. Là, je n'ai rien fait. Hein. Regarde, regarde ça. T'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Moi, je t'ai dit, t'es pas prêt. On vient juste d'en poser. Hein. Regarde le rack. Hein. Attends, je vais regarder ma vie et tout le reste parce que je fais un peu nimp. On va se boire un petit truc pendant que ça se déroule. Et chasse aux poissons, là. Rapidos. T'as l'impression, mais ça monte. Regarde à quelle vitesse ça monte. On va quand même se faire une lance en os, hein, les amis. En sachant que c'est indestructible, hein, 3 bâtonnets. Ouais, on va chercher ça vite fait. De la viande à récupérer le plus rapidement possible. Parce que les animaux sont très rares. Très très rares après. Oh, il y a eu un bruit, les amis. Donc, ouais, le confort, les amis, le sacroco. Hein. Évidemment, vous faites comme moi, mais vous le faites mieux, hein, à distance. Et si vous n'avez pas de flèche en os, freezing, voilà, je commence. Ah, bah oui, c'est là où je voulais en venir aussi derrière. On s'y retrouve, écoute, je voulais pas péter les arbres qu'il y avait à côté, mais c'est pas grave. On va faire, les amis, du coup. Tu vas voir. Bois de chauffage, hein, à prendre aussi, à stocker. Bon, en sachant qu'on a pas mal de charbon en stock pour passer l'hiver, se chauffer, allumer tous les fours, il n'y aura aucun problème, les amis. Voilà, on a déjà les racks complets. Ah, il y a notre ami renard, les gars. Là. Le petit stock, hein. J'utilise les boîtes de chauffage là juste pour le feu de camp. Ça suffit le feu de camp pour le. Et bien sûr, éclat d'os que j'ai sur moi. Donc, du coup, on vérifie vite fait. Un petit épisode sympa, les gars, où on en découvre un peu plus. 5 fibres. Un éclat d'os ou deux? Un éclat. Alors attends, est-ce que je peux. Non, attends, au lieu de faire le con, je vais me la mettre en stock. On sait. Sait-on jamais si je l'envoie à l'autre bout du monde, ma lance en os là. Et sait-on jamais. Voilà, lance en os, effectivement. Si on va dessus, peut-être fabriquer. Ah, il le met pas là, peut-être là. Il faut vraiment tout lire. Il n'y a pas de différence. Là, il te met pas l'indication comme les flèches. Là, par contre, ouais, il y a un truc à tuer là. Ah oui. Par contre, faut le suivre, hein, parce qu'il crève pas tout de suite. Tire une deuxième au cas où. Soir deux, tu vois. Voilà. Ça, les gars, ne laissez pas passer ça. Tombe. Il va tomber. T'inquiète pas. Je vous mets la jauge d'endurance. Oh, point de vie là. Faut le suivre, il va tomber. Voilà, il tombe. Attends, faut qu'on mange un truc tout de suite avant de crever. Ouais, je suis à 3 de vie. Récolter John Deere. Normalement, les flèches sont par terre. Voilà, flèche en os, tu vois. Tu vois. Oh, il m'en manque une là.
Ah non, flèche en os, tu vois, on l'a récupérée, elle était cachée. Donc faites bien le tour, hein, ça c'est... C'est pas très... Une fois que t'as l'établi amélioré, je t'avouerai que c'est pas très gourmand. C'est pas très gourmand. Là, c'est un truc de ouf, les amis. On va dormir parce que... J'ai soif, protéines, vitamines, tout. J'ai, en espérant qu'on n'est pas sur... soif, on va quand même boire à fond. Boire à fond, c'est-à-dire bah, quand on aura de l'eau dans la gourde, merci. Oh putain, une pastèque. Normalement, elle ne dispone pas, s'il ne touche pas. J'espère que c'est pas l'hiver déjà dès demain. Ça serait quand même, les amis, un gros bordel pour moi. Parce qu'il n'y a plus rien qui pousse. La serre, avec la scie circulaire, on va pouvoir la faire. Mais pour cet été, ça sera pas... Alors, quand je te disais que je préfère utiliser juste un petit morceau ici... Ah, eau potable, j'en avais déjà, mais quel con. Voilà, j'en avais déjà. Hop. On se met full, on va faire dodo. J'espère que c'est pas la nuit où il y a ces salopards qui débarquent. Attention. Ouh. Merci. Merci. Quel jour là? Octobre, automne. Ok, c'est deux jours à chaque fois pour chaque truc. Allez les gars, là c'est cette journée. Il faut qu'on la prépare ensemble, qu'on la bricole. Oui, alors, on a vu que j'avais froid. Besoin de protéines, il n'y a pas de souci, mon ami. Il y en a en stock qui traîne. Ah, j'avais déjà mis un bâton, c'est pas grave. On va t'en donner vite fait, t'inquiète pas. On va faire de la place ici, j'ai de la viande séchée. On va essayer de choper un max aussi de poissons et regarder ensemble. Viande crue, évidemment, elle prend plus de temps, hein, les amis. Hors période d'été. Voilà où je voulais en venir aussi. Punaise, il y a tellement de trucs à faire, à prévoir, les gars, ce jeu... est complètement dingue. Mais quand je te dis qu'il est dingue, il est vraiment dingue. Alors, les amis, rangement. Le porte-vêtements, lingot de fer et deux plastiques, mais... Non, mec, t'abuses de ouf. Ah, tant pis, les fringues, je les jette. Hein. Plastique, j'en ai plus. Il faut du cobalt, là. Putain. Eh, les gars, vous rendez ouf avec votre plastique, hein. J'ai qu'un lingot de cobalt. J'ai de l'alu, j'ai un peu de fer. C'est pas grave. Les fringues, on s'en fout. C'est des trucs de merde. Alors, là, on va se préparer, les amis. Pas se faire prendre au dépourvu. Normalement, il te met la température corpo. Chaleur, on... Ah, si, je crois que c'était là. Attends. Température corporelle, 18 degrés. C'est plutôt cool. On pourra les faire... Non, on pourra vraiment les confectionner quand tu auras le... Vraiment... Ça, je jette, il n'y a plus besoin. Il y a du soleil qui est là. Combien on a d'énergie stockée? Pas encore, on va laisser passer un peu. Du coup, on va récupérer nos lingots de fer. Faudra que je déplace ça au niveau du cobalt, hein, les amis, je le ferai. Mec, il me donne de l'argile, le gars. Il donne rien du tout. Un peu rapia, là. Ça me fait 10 stacks d'argile. Un petit lingot de fer. Donc, laisse-moi réfléchir. On va fermer là en haut. Justement, il me fallait 10 argiles, je crois, pour finir. Des planches. Des planchas, là, c'est mon stock. C'est superbe. On va quand même voir la serre ensemble. Est-ce que éventuellement on pourrait la faire là vite fait? Ça serait quand même ouf. À plan, j'avais déjà. C'était de l'argile qui manquait. Voilà, on ferme un petit peu au moins ici. On aura le temps de fermer ça, bien sûr, les amis. Plus tard, la serre. On va regarder ensemble. Ça serait. Oh. On va pas laisser passer. Il est où? Poisson aussi, les amis. Il est là. Il faut le suivre. Hein. Ah non, ma flèche. Elle est là. Ouf. Faut le suivre. Là, une flèche, même une flèche, ça suffit, les amis. Montre un petit peu toutes les astuces de survie. Voilà, merci. Au revoir, fais dodo. Récolter John Deere. Là, c'est maintenant ou jamais, les amis. Donc on voit, les amis, flèche en os, mais... pas visible, donc restez bien autour du cadavre. Les flèches en pierre, on a pu le constater, les amis,
C'était pas ça? Ah, la serre, les amis. Bûche de bois, planche, lingot de cuivre, vert. Ouais, c'est quoi, on se l'a fait? C'est quoi, les amis? Est-ce qu'elle serait bien, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, un petit peu comme ça, là? Après, on n'a pas la visu sur l'extérieur. Vous la verriez comment, les gars? Peut-être plus là, sur le côté, ici? Elle est pas mal, là, comme ça, aussi, non? Hein? Regarde voir. Petite serre là, tranquille. Ah, ok, c'est parti. Bûche de bois, planche 60, les amis. Lingot de cuivre, vert. Vert, par contre, ça va être compliqué. Beaucoup d'argile et tout, mais ne l'oubliez pas, vert. Pour faire un petit rappel, bien sûr, surtout pour ceux qui n'ont pas le jeu. Fondre 10 sables pour obtenir du vert. Voilà, c'est que des simples pierres. Il faut 2 pierres et ça donne 10 sables. Donc, 120 pierres à récolter. Allez, moi je te dis ça va, en sachant que là on peut les faire par 10. C'est easy peasy. En revanche, les amis, on a des canettes aussi de bouffe à préparer. On va sélectionner ensemble. Tu vois, c'est processus hein, pour se préparer, c'est quand même... Ah oui, concombre, maïs, patate, canne vide. Hein. Ça on a les amis, on va préparer. Alors ça, ça me prend de la place dans mon inventaire, ça me casse les rouleaux. Alors, normalement, j'ai... Ah non, j'ai pas de maïs. On va mettre de la viande à sécher encore, les gars. Alors, j'ai où ouais, tu vois, vitamine, là. Vitamine, maïs. Faudrait juste que je chope un petit maïs. S'il y en a un déjà de fait. Ah si, j'en ai en haut. Alors. Donc, la table de cuisine. Voilà, vous n'avez pas besoin. Concombre, patate, maïs. Salade végétarienne. Impeccable ou végétalienne. Peu importe, on s'en bat les couilles, les gars. Ça, absolument, ces canettes-là, surtout la vitamine 1, en hiver, j'étais... Et en glucides, hein, plus 35, les amis. 2 glucides, plus 35 de vitamines. La meilleure boîte de conserve qui existe au monde. Hein. Les gars, on va faire que des canettes comme ça. On peut faire aussi également... alors, attends, voir ça, on a ce qu'il faut aussi. Demi-pastèque et demi-melon. Hein, ça donne quand même 52 glucides, les gars. Un peu de gras, soif 35. Donc ça, c'est pas mal aussi. J'ai plus de pastèque, du coup. J'ai... Qui a dit que j'avais plus de pastèque, les amis? Ah, il veut pas la prendre parce que j'ai plus de place. Hop, on va faire un peu de Tetris, les amis. Ah! Normalement, c'est bon, là, non? Les gars, vous avez entendu? Ah non, pas celui-là. Là, on a de la place. Hein, on a fait Tetris. T'es où? Eh, salut, mon pote. Allez. Vous, est-ce que vous avez entendu, les amis? On a entendu? Donc, la cuisinière, on pourrait prendre du poisson. Je reviens là-dessus, mais comme ça, ça vous permet de voir un petit peu. Hein. J'en suis navré que cet épisode, il a l'air un peu plan-plan. Le mélange à ragoût. Voilà, le poisson cru qui va être utile pour, justement, ce ragoût de viande. Étant donné qu'il faut énormément de ressources, que je vais avoir besoin de pas mal de pierres pour la serre et tout, on n'aura peut-être pas les 25 lingots de fer tout de suite. Alors, le poisson, on va essayer de s'en passer parce que le lac sera complètement gelé. Hein. Tu verras, ça va être assez ouf. Alors du coup, on jette hein, les amis, récolter, donc il va m'en jeter un par terre, il n'y a pas de souci, on ira le récupérer de suite les amis. Donc voilà, ça, faites ça les gars, priorité, les salades de fruits et surtout là les trucs, les salades végétariennes. Merde, j'ai pas de demi-melon, je l'ai pas découpé, il est là le demi-melon. Là, on entend encore... Une petite viande sur pâte, les amis. Salade de fruits. C'est, tu vas me dire, ouais, ça devrait aller tout. Non, non, attention, les gars. Là, il faudrait en faire au moins... Alors, temps de conservation, les amis, c'est quand même 4 heures. Hein. 4 heures, c'est quand même assez immense. Concombre à lui tout seul, 10 vitamines, 10 de glucides, 10 de santé. Ça reste tout à fait honorable et agréable. On peut chercher quand même quelques poiscailles. Là, on va se réserver sur... notre ami la serre. Oh là, regarde-moi toutes ces planches.
Oh, j'ai libéré du stock, les amis. Ah, je suis méga lourd. Ouais, ok. Ça prend du poids, j'en ai pas besoin. Les 10 copes, on s'en fout si j'en ai un stock. Là, les gars, est-ce qu'on va pouvoir? Je pense pas. Et là, pendant l'hiver, tu peux tranquillement, lingot de cuivre 8, tu peux tranquille, pendant l'hiver, te préparer tranquille. Et c'est merveilleux, les gars, c'est merveilleux. Donc, on avait dit, les amis, pommes de terre, concombre et maïs. Donc, magnifique. On va se refaire de nouveau. Ah oui, ça les gars. Salade végétarienne, les amis, c'est absolument important. Là, le prochain dodo qu'on fait, là, la prochaine nuit qu'on va passer, eh ben, on va y avoir droit. On va y avoir droit, s'il y a encore une place. What? Pourquoi tu veux pas, mon ami? Ah, parce que je suis pas bien dans l'axe, voilà, ça t'aime pas. Ah, je me suis fait de la viande cuite un peu, parce que là, on n'est pas, ouais, en protéines et glucides, c'est pas terrible. Le melon là, non, je le mange pas comme ça. Là, il faut vraiment faire très, 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 très attention à vos ressources. Hein. Là, c'est vide. Alors, la serre, elle sera bien ici. Et on va finir par quoi, les amis? Parce que là, je pense qu'on est pas mal pour cet épisode. Comme ça, on a vu un petit peu la prépa. Moi, je vais barder comme un fou. Oh, celui-là a pas laissé passer, les amis. Tout juste, hein. Il a failli mettre un coup. Flèche en os. Lame en os. Et on récolte encore de la viande, de la graisse animale. Voilà, ça, c'est le principal, les amis. Alors, j'ai fait quand même pas mal de sessions. En termes d'huile, j'ai une canne d'huile, ça m'a rempli la moitié. Ça a rien pris, vu que ça tourne pas en continu. Ça tourne que quand tu mets des bûches. C'est quand même assez intéressant. On va juste quand même. Les amis, donc là, faut que j'aille récolter de la pierre. Comme dit, on va pas faire ça là. Je vais le faire en dehors. Pour l'hiver, comme ça, on va essayer de retrouver ensemble une maison plus ou moins terminée. On va partir sur... Sur quoi on va partir là? On va laisser l'estrade là ouverte. On va partir sur quelque chose de comme ça, les amis. On va faire ça, attends. Voilà, dans le bon sens. Mur en bois. La fenêtre, là, on n'a pas forcément besoin. On aura le... On va partir sur ça, les amis. Et on va partir... Voilà, là-dessus. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Et on va partir... Après, ça, c'est vraiment... C'est vite fait. Après, il faut me dire hein, dans les commentaires si vous voulez voir des fois tout un épisode session, on récolte et tout machin. J'ai toujours peur que ça vous saoule. Voilà. Tu as petite maison fermée là ici, tranquille. Au chaud, avec d'autres trucs encore en haut et tout. Comme ça, on peut sortir d'ici, on peut avoiner ses merdes. La serre qui est là-bas, pas trop loin. Je pense qu'on est, on est pas mal. On s'est mis quand même des conserves que je n'avais pas à l'hiver dernier. Est-ce que je les ai fait peut-être un peu tôt? Non, je ne pense pas, ça va arriver quand même assez rapidement, les amis. On en est où? On en est deux. En énergie, on en a stocké de nouveau un paquet. Donc on peut, voilà, le mettre en open. Voilà. Merci, monsieur. Et... Ouh, 6 fragments de fer, ça fait plaisir. Et pour la petite précision, les amis, je ne sais pas si les... Pour terminer l'épisode, si les listes des plans technologiques, hein, les blueprints, c'est scripté ou pas, ou si c'est du pop aléatoire. Moi, je pense plus à du pop aléatoire. Donc, comme tu peux le constater, j'ai tout mis. On va pouvoir même se confectionner...
Un plafonnier, mais il faut deux pièces électriques, du cobalt. Il va falloir que je pose un extracteur, mon extracteur de fer au cobalt. Donc, ça, je vais faire aussi. Donc, tu vois, il y a encore quelques trucs à faire. Donc, la serre pour le prochain épisode, les amis, en action, en espérant faire une petite lampe aussi, pourquoi pas, mettre un peu plus de light partout. Et essayer de faire aussi également pour renforcer les barricades qui vont m'être bien utiles. Le malaxeur qui me permettra de faire du ciment pour améliorer et passer au stade 2 ces barricades. Mais 4 pièces électriques, encore une fois les amis, très 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 gourmand ce truc-là, voire même mettre deux extracteurs, enlever celui de l'aluminium, le mettre sur le cobalt, limite parce que j'ai un peu d'aluminium en stock, j'ai certainement un gros paquet à récupérer dans la caisse là-bas où il traîne sur son truc. Et si je dis pas donc l'aluminium ici. J'ai un cobalt là et j'ai un cobalt ici. Il faut que je vois. Je crois que c'est les deux cobalt, deux alus, deux cobalt. Donc, va falloir que je déplace ces extracteurs. Tu vois, c'est pas très, c'est un peu plus loin que l'alu ici. Bon, voilà, il faudra que je fasse ça parce que je me répète. Mais pour ceux qui n'ont pas le jeu surtout, autre, les extracteurs de minéraux, c'est quand même 20 lingots de fer. Encore une fois, 20 lingots de fer. Donc, la grosse forge, les amis. La grosse forge, franchement, c'est parce que là, je suis plein, là, j'ai plein de trucs. La grosse forge, plus, on va vraiment terminer là-dessus. Bon, là, on se libère un peu de place, même si c'est pas les bons coffres, hein, on s'en bat les reins, les gars. Là, tu verras, la grosse forge, là, de ouf, plus. Alors, t'es obligé de commencer par les petites forges, c'est normal. Plus le big bag, hein, le big bag, hein, je vous conseille dans les 5 premiers jours. Les 5 premiers jours de jeu, si vous devez commencer une partie. Si vous devez commencer une partie, faites les crocos avec des lances. Vous faites plusieurs lances, ça coûte rien tout. Et récoltable au sol. Est-ce que j'ai de la place? Là. Ah ouais, faut vraiment pas négliger ça, les amis. Surtout pas ça. La moindre viande. Ah, tu vois, ma flèche, elle est là. Et j'ai pu la récup, là, normalement. 3, ouais, voilà, c'est ça. Un petit bâton au passage. Voilà, là, j'ai fait mon petit stack de 10 pierres. Là, t'es sur le petit sac. Je suis à 62, là. J'ai juste, bon, allez, après, t'as un peu le cuir qui pèse. Alors, le cuir, j'ai pas trouvé. Voilà, sur le sac normal, t'es déjà à 3 de pods en plus. J'ai 3 bâtons et quelques fibres qui pèsent. Donc, tu vois, la difficulté, et j'ai attendu 28e jour avant de le faire. Tu vois la difficulté que tu te mets. Alors que si t'y vas, là, hop, tu fais juste un gros tas de cailloux, bim, bim, et t'en as 2 en stock que tu mets là-dedans. Donc, autant te dire, t'en as 10. Donc ça te fait 2 fois 5 fragments, tu mets là-dedans, ça te fait directement 2 lingots de fer. Et donc ça va vraiment, tu remplis ton stock de pierres, ça va très très rapidement. Et là-dedans, tu mets tes 5 fragments, tu fais tes lingots. Voilà un petit peu, en gros, les amis, à ce qu'il fallait vous raconter pour la préparation de l'hiver. Donc en tout cas, merci encore une fois de m'avoir suivi. Et ben je vous donne rendez-vous très très vite pour l'hiver. Allez les gars, plus ciao!